merci à vous tous pour votre travail au cours de cette fin de semaine. Parce que c'est la façon pour nous de pouvoir choisir ensemble le sens et la direction que nous voulons prendre pour former le premier gouvernement néo-démocrate des jeunes. Sachez que j'ai bien retenu le fruit de vos discussions au cours des deux derniers jours et que je continuerai d'être à l'écoute de vos propositions et de vos idées. Car grâce à elles, nous saurons rejoindre l'ensemble des progressistes au Canada qui partagent notre vision. Je tiens à vous le dire, mes amis, parce qu'on ne vous le dira jamais assez souvent. Un parti politique n'est rien sans ses militants. Nous sommes plus de 500 personnes ici au Palais des congrès de Montréal. Pas de doute, c'est le plus gros congrès de l'histoire de la section Québec du NPD. Bravo! C'est pour moi un immense plaisir et un honneur de travailler avec des gens dévoués et motivés comme vous. J'ai admiré les efforts que vous avez mis et que vous continuez de mettre pour bâtir nos associations de circonscription au Québec, pour recruter plus de membres et pour voir à notre financement. Et je vous dis merci non seulement au nom de nos députés, mais au nom de tous les Canadiens qui comptent sur votre modèle pour réaliser notre rêve d'un pays plus vert, plus juste et plus prospère. Notre vision pour le pays a fait un sacré bout de chemin depuis les deux dernières années. Et un bond de géant a été accompli avec la vague orange de mai 2011. Une vague qui a balayé le Québec au grand complet, de Montréal jusqu'en Gaspésie, en passant par l'Abitibi-Témiscamingue. Une vague qui a transporté une soixantaine de néo-démocrates du Québec jusqu'à Ottawa pour former la plus grande opposition officielle depuis 40 ans. C'est une page d'histoire qui s'est tournée parce que jamais nous n'avons été en aussi bonne posture pour faire avancer notre vision du Canada. Une vision de progrès, d'optimisme et d'espoir pour l'avenir. Une vision qui prend racine dans le type de valeurs et d'institutions que défendent les Québécois et qui nous unit aux autres progressistes de partout au pays. Des valeurs comme l'égalité, la protection de l'environnement et notre volonté commune de faire du Canada une voie pour la paix et la justice dans le monde. Une vision pour une économie plus forte qui évite les erreurs du passé et un pays où personne n'est laissé pour compte. Une vision qui contraste de manière frappante avec celle des conservateurs. Dans le Canada de Stephen Harper, on vous fait croire que les avantages et les services publics mis en place par nos parents et nos grands-parents sont soudainement devenus trop chers, inabordables. On dit aux nouvelles générations que les temps sont durs, qu'il faut serrer la ceinture, alors qu'on dépense des milliards en subventions directes et indirectes aux compagnies pétrolières. Année après année, ils octroient des nouvelles réductions d'impôts aux entreprises les plus riches, des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui ne sont pas créatrices d'emplois. 50 milliards de dollars, pendant que la classe moyenne, elle, est prise à la gorge. Dans le Canada de Stephen Harper, si vous n'êtes pas un proche du gouvernement, ou si vous ne faites pas partie de la base politique conservatrice, vous êtes tout simplement invisible, vous n'existez pas. La mère monoparentale à Trois-Rivières, l'étudiant à Rouyn-Noranda, la personne âgée dans l'ouest de l'île de Montréal, ont tous été carrément abandonnés par le gouvernement conservateur. Au rythme où vont les choses, nous allons devenir la première génération de Canadiens à donner moins à nos enfants que ce que nous avons reçu de nos propres parents. Et pourtant, nous vivons à une époque d'innovation et de découvertes sans précédent. À une époque qui a permis à des millions de personnes de développer leur plein potentiel et leur créativité et leur talent. Et les conservateurs vont nous faire croire que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter le déclin tranquille de notre qualité de vie.
d'accepter aussi que nos enfants vivent moins bien que ce que nous avons vécu? Ça, c'est un non-sens et nous, on va se dresser devant ce bilan. Plus importante et plus qualifiée que jamais. Et une possibilité réelle de mettre cette main-d'œuvre au travail. Notre plus grand défi présentement, ce n'est pas un manque de compétences ou de talents, c'est un manque de leadership. Et croyez-moi quand je vous dis qu'à partir de 2015, avec un gouvernement du NPD à Ottawa, nous allons ramener du leadership. Vous le savez comme moi, en politique, nous sommes appelés à faire des choix. Et le NPD va démontrer qu'il est possible de faire des choix différents de ceux des conservateurs, de poser les gestes nécessaires pour remettre le Canada sur la voie du progrès. Ensemble, nous allons faire le choix d'investir dans notre avenir, faire le choix de bâtir un Canada plus juste, plus vert et plus prospère, faire le choix d'être plus ambitieux au lieu de toujours se contenter de moins. And the NDP will show that it's possible to make choices that are different from the Conservatives, to take the necessary steps to put Canada on the road to progress. Together, we'll make the choice to invest in our future. Parce que l'avenir de notre pays ne dépend pas des obstacles qui se dressent sur notre chemin, mais bien sur les choix que nous faisons. Mais pour y arriver, il faut que notre parti s'enracine plus profondément au Québec d'ici aux prochaines élections. Avec une organisation plus solide, pour être capable de mener une vraie campagne de terrain dans 3 ans, pour aller à la rencontre du plus grand nombre d'électeurs possible. Je sais qu'en 2011, on a réussi à gagner le cœur des Québécois, mais la prochaine fois, ce sont aussi les esprits qu'on doit convaincre. Et la raison... Et la recette pour y arriver, elle n'a rien de sorcier. Tout le monde la connaît. Il faut s'assurer d'avoir les moyens financiers et l'organisation pour faire campagne dans les 78 circonscriptions du Québec. S'assurer d'être présent dans toutes les régions et de participer à toutes les courses, non seulement au Québec, mais d'un bout à l'autre du pays. Nous allons faire en sorte que les conservateurs de Stephen Harper rencontrent sur leur chemin une machine électorale plus efficace et plus redoutable que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Tous ceux et celles qui nous connaissent, n'est-ce pas, Gaétan? Savent qu'il n'est pas question de concéder le moindre siège à l'avance à nos adversaires, parce que notre vision pour le pays englobe toutes les régions. Un producteur de blé à Melford en Saskatchewan et un pêcheur de la Gaspésie ont beaucoup plus en commun l'un avec l'autre qu'ils n'en ont avec le gouvernement conservateur. Et notre parti est la preuve même qu'il est possible de défendre les intérêts de l'ensemble des Canadiens et non seulement ceux d'une région au détriment d'une autre. C'est pour ça qu'il est important, crucial, voire, de poursuivre nos efforts, d'aller au-delà de notre base traditionnelle et unir toutes les forces progressistes sous la bannière du NPD. Beaucoup trop longtemps que les politiciens des autres partis exploitent les divisions entre les Canadiens, entre l'Est et l'Ouest, entre francophones et anglophones. Ça, c'est la stratégie de Stephen Harper. Et ça ne sera jamais la nôtre. Si le fait d'alimenter les divisions peut sembler rentable à court terme d'un point de vue politique, le prix à payer, lui, est beaucoup trop élevé. On le voit bien sous Stephen Harper. Les chicanes et les divisions ne font rien d'autre que de nous compliquer la tâche au moment de surmonter les difficultés.
C'est extrêmement dommage, parce que je suis certain qu'au plus profond de nous, tous les Canadiens, peu importe leur tendance politique, partagent entre eux certaines valeurs fondamentales. L'histoire de notre pays est remplie d'exemples de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. Ça vous dit quelque chose, ça, travailler ensemble? Pour nous soutenir les uns les autres. Qu'on pense au régime public d'assurance maladie ou aux pensions de retraite. Nos valeurs transparaissent dans les institutions que nous nous sommes données ensemble, en tant que peuple, des institutions qui nous unissent et qui nous définissent. En mai 2011, les Canadiens ont permis aux néo-démocrates d'écrire une page d'histoire. Au Québec et ailleurs au Canada, 4,5 millions de progressistes ont voté pour le NPD. Ensemble, ils ont fait un premier pas vers la formation d'une alliance autour d'une nouvelle vision pour le Canada. Une alliance pour défaire les conservateurs de Stephen Harper. Notre objectif n'est pas encore atteint, mais nous sommes passés tout près d'y arriver. Ensemble, nous avons réussi à faire élire le NPD comme opposition officielle pour la première fois de l'histoire. Oui, maintenant, si nous voulons élargir cette alliance, il faut se montrer à la hauteur de la responsabilité qui nous a été confiée. Et je sais que nous en sommes capables. Au-delà de nos valeurs progressistes, c'est notre style de leadership qui nous permettrait de tisser un lien de confiance durable avec les Québécois. Le peu de députés conservateurs qui restent au Québec ne font aucun effort pour porter la voix des Québécois auprès du gouvernement. Ils ne font qu'exécuter les ordres de Stephen Harper, peu importe que ça aille ou non à l'encontre des intérêts du Québec. Je me souviens, comme vous, que M. Harper prêchait le fédéralisme d'ouverture. À la place, le Québec a reçu une porte fermée à double tour. Comparons cette fermeture à l'ouverture de notre déclaration de Sherbrooke et sa vision d'un Canada où le Québec est respecté et où nous allons travailler ensemble, justement. Déjà, nous avons montré de quoi nous sommes capables dans l'opposition. Sur la question de la langue française, par exemple, le président du caucus québécois qui vient de vous parler, Robert Aubin de Trois-Rivières, a proposé une loi pour garantir des droits linguistiques au travail dans les compagnies qui relèvent de juridiction fédérale. En même temps, Alexandrine Latendresse propose un projet de loi pour reconnaître le caractère bilingue des institutions fédérales en exigeant la sélection de juges à la Cour suprême et d'agents parlementaires qui maîtrisent nos deux langues officielles. Il faut quand même que le vérificateur général puisse parler à tous les Canadiens. Sur la question du registre des armes d'épaule, nous avons été à l'écoute des Québécois, en appuyant le gouvernement du Québec dans sa décision de contester en cours l'abolition du registre des armes. Puis sur la question du financement de la santé, nous avons été à l'écoute de l'ensemble des provinces, en dénonçant la décision des conservateurs de diminuer les transferts de 36 milliards de dollars, peu importe les impacts sur la qualité des soins. While other parties seem more interested in refighting the quarrels of the past, the NDP is all about working together to build a brighter future. Some political parties have an interest in keeping Quebecers divided on linguistic lines, along constitutional lines. That division may serve their partisan interests, but it doesn't serve the public interest. New Democrats. The New Democrats are focused on positive, practical ideas that bring people together. There's been enough division in this country. Ideas like requiring that the senior officers of Parliament be able to speak both official languages so that they can serve Canadians from coast to coast to coast. That's not a complicated idea. Ideas like ensuring Quebecers have the same language rights in federally regulated workplaces in Quebec that they already have provincially without taking rights away from anyone else. You don't have to take rights away to ensure that Quebecers are able in a chartered bank or in a telecommunications company to have the right to receive their written instructions from their employer in French. That takes away rights from no one, but it does make sure that Quebecers feel more at home in Canada. That's the positive side of the NDP.
In the last election, we didn't cater to the divisive political debates of the past. We campaigned on those positive, optimistic ideas that brought people together. We took our case to the people of Quebec, and the people of Quebec and of Canada responded like never before. And May 2011 was only the beginning. C'est clair, le NPD est le seul parti qui possède une vision pour le pays capable de rallier les Canadiens d'un océan à l'autre. Et cette vision, nous serons bientôt appelés à la concrétiser. Vous le savez comme moi, à Ottawa, on est pris avec un gouvernement usé qui s'enlise de plus en plus dans les scandales en raison de sa gestion douteuse des fonds publics. Un gouvernement qui a perdu la confiance des gens et qui a tous les symptômes habituels d'un gouvernement en fin de régime. Croyez-moi, mes amis. Croyez-moi, mes amis. Aux prochaines élections, c'est plus qu'une nouvelle page d'histoire qu'on aura la chance de tourner. C'est tout un nouveau chapitre qu'on pourra commencer. En 2015, nous allons former le tout premier gouvernement fédéral du NPD dans l'histoire du Canada. Préparer le terrain pour la prochaine élection, ou élection partielle, mon rôle en tant que chef de l'opposition sera de prouver que le caucus du NPD compte dans ses rangs des gestionnaires rigoureux et compétents, que notre équipe sera prête à gouverner. Aux yeux des Canadiens, le NPD a longtemps été perçu comme un parti d'opposition. Maintenant, il est temps de montrer que nous sommes aussi un parti de proposition, un parti de solution. Yeah. On ne peut plus se contenter de laisser aux autres partis le soin de reprendre nos idées, toujours de façon plus ou moins habile. Il est temps de les appliquer nous-mêmes. Et nous allons y parvenir. On va y arriver. En continuant au cours des trois prochaines années d'expliquer notre projet aux Québécois et aux Canadiens. Là-dessus, je sais que je pourrais et que tout le Canada pourrait compter sur vous. Travaillons ensemble, mes amis, parce qu'en unissant nos forces, nous pouvons bâtir un Canada plus juste et un monde meilleur. Merci. On continue.